Bonsoir. Shalom. Mbote na biso. Merci pour la présence na bino. Na esika oyo, ngamba komo la bino pour botiki ba ndako na bino, botiki ba famille, botiki. Atende de bango une solution d'interprétation pour votre souso. Mais ti docteur na biso ya luka kangle, donc souso roche ba biso. Donc la remercie bino ce tour. I thank you all. Pour la présence là, for your presence here, là, ici, in this place. May God bless you. Pour l'amour, for the love, pour la compassion, for the compassion. Pour la temps, bino, for your time. May God bless you, Lord. We all know the circumstances that brought us together. The Bible says to cry with those who cry. Voilà pourquoi nous sommes là. It's why we're here. Parce que ton père because we have lost our patriarch, Charles Lessie. We know that he was a great man of God that impacted generations, nations, and countries. But today is no more with us. That's why we're here to give God thanks. Because he's the one that holds our lives. He's why we're here. And I'm excusing myself. Because we've started a little bit late. Because we should have started at 4 on the dot. But we know that there's a lot of things to do in this country. And there's a lot of things that we didn't plan. And we've came from far as well. That's the reason why we started a little bit late. That's why we really present our excuses to you in the love of God. May God bless us all. And my condolences to our family, the entire family. And the entire Lessie family. We want to start our program. We will make an effort to respect our time. Don't be in a rush. Take time with us and the family to share this painful moment together. And it will be a blessing for you. It's why where you are. You're going to stand up. So we can start our program. As a sign of respect. Where you are, you're going to stand. So we can start our service. That's why we're going to ask Dr. Clément Atulushi to do the opening prayer so we can start today's service. Let us pray. Father, you are merciful. You are awesome. We come before you to revere you, to worship you. But most especially, we seek your presence. We seek your face. We come into your courts with thanksgiving in our hearts. But those hearts are also heavy.
with sorrow because we have missed and we have lost one of your dear servants, a father, a brother, an uncle, a son, but most of all, a man of God. And so as we are gathered together here today, we come together to lift up our hearts to thank you and to celebrate his life and his service and his ministry. For you have called him to be by your side. And so we seek your spirit to guide us throughout the rest of the events for the day. Guide us, take control, take command, be with us. And as we usher our voices into your presence, lift them up and touch the family with love, with comfort, with mercy, in the name of our Lord, our Savior, our Redeemer, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Amen. Amen. Avant de continuer à l'adoration, la bise on a louange, adoration. Before getting into our worship and praise, la lingi to kota la moi idemo ko général. I want us to enter into a general idea. Et que ça la bise bientôt comprendre. It will help us understand. Nengeni il est temps la lingi nzamba sala kama kamu. How the world evolves and how things happen. Na vexemo ko oyo et comme mind la bise to comprendre. In a verse that's going to help us understand. In the book of 1 Kings chapter 2, verse 1 to 2. The person who's there can read for us so we can start our service. Français par Louis Boyer. 1 Roi chapitre 2, verset 1er en 2. David approcha du moment de sa mort. Now the days of David drew nigh that he should die. Et il donna ses ordres. And he charged Solomon his son. À Salomon son fils, en disant. Saying. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. I am going the way of all the earth. Fortifie-toi. Be thou strong. Et sois homme. Therefore, and showed himself a man. These words always fortify me. Donc David, introducing so we can have a general idea. Parce que because our preachers here. Donc, David. So we see David. A king like David. Plein de connaissances. Full of knowledge. In his kingdom, mais à comprendre que, but he understood that his body was getting tired. His wisdom was finishing. He understood the way he's going. Before I'm going, he said, I need to say to my son Solomon. He said Solomon. He Solomon. Now can you tell me about the path of everybody? The path that I'm taking. All whether you like it or not, you will go through that path. It's the path of everybody. And he said something important. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. That is going in the way of all the earth. Mais Alumi, fortifie-toi. We said fortify yourself. Et sois un homme. And be a man. N'aime sa famille. I know that it's not easy. But people who have lost dearest members, it's something difficult. You can't explain it to a person. But David understood one thing. It is a time for me to teach my sons. Nobody can escape from it. But fortify yourself. But fortify yourself. And be a man. Parce que you're gonna charge. Because you're gonna be in charge. L'homme de Dieu. Man of God. Oh, is that message in my best little family? This is a message that the Lord has given to the family. I think we know my cast. And ask you to be strong. And to be strong. Take responsibility. Take responsibility. Bien aimé. My beloved.
Exhortation, this preacher, écoute, this minister, may he take you in this ambiance that we are. Si Salomon avait qu'il louait, allez, attendez. If Solomon or David knew that death is coming, on devient l'homme selon le cœur de Dieu. That we call the man that is according to the will of God. Pourquoi puis-je être combattu? Ça passe. Alléluia. Amen. Fortifie-toi. Fortify yourself. Sois homme. And be a man. Fortifie-toi. Fortify yourself. Sois homme. Be a man. And God will do you great. And I want us to enter into worship. And then we're going to go through the biography of the man of God. Be concentrated while we're going through this. It is a time of celebration. Now God, the things you do, nobody else can do it. So beni ni na yo to so beni te mana iso to ni to banyoso to ni to banyoso to so beni ni to yo thank you.
because you're the faithful God that grants songs. We give the name of Jesus. We give grace. For this beautiful moment of worship. Thank you, Lord Jesus. For this moment. In the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. It's a moment that we want to be all together to participate and to support the family. For the people who know this man who's left us, he's a big man of God. And when God takes this person, it's not easy. I see now people in Kinshasa were motivated. You have no idea. I was connected with people in Kinshasa. I cried. I couldn't finish the videos. Because there's a big man who's gone. Is why, my beloved, to gain time. Because if we wait for people, our time be gone. We want to call the man of God, Pastor Herman, for the biography of our patriarch, Charles Lessie. While he's coming forward, let's clap our hands for Jesus. Bonsoir à tout le monde. Good evening to everybody. Gloire au Seigneur. Glory to God. Je dis encore merci à la famille Lessie. I say thank you to the Lessie family pour le privilège qu'ils m'accordent for this privilege that they've given to me. D'être celui qui va dire la biographie du révérend feu Charles Lessie. It should be the one who's going to give the biography of the late Reverend Charles Lessie. Vous savez, c'est toujours difficile de faire l'oraison funéraire de quelqu'un de cher qui nous laisse. You know, it's always difficult to speak about somebody who's dearest to us, who's left us. Alors, nous allons écouter attentivement pour essayer de comprendre qui l'homme de Dieu était de son vivant. So we're going to listen attentively to understand who the man of God, bless you, was. Gloire au Seigneur. Glory to God. Il faut d'abord que je rappelle à l'audience que le révérend Lessie est décédé le lundi 8 mars 2021 des suites d'une courte maladie. He died on Monday, the 8th of March 2021, after a short illness. Qui était-il? Who was he? D'abord, il est né le 30 juillet 1953. He was born on the 30th of July 1953. Alors si en 1955, la population de l'ex-Zaïre était autour de 13 millions. And in 1955, Zaïre was about 13 million. Donc le révérend Lessie venait s'ajouter à cette dizaine, n'est-ce pas, de millions de population. So he just added a little number on top of that millions. Il est né à Mbien. He was born in a place called dans la province de Maïndombe. In the province of Maïndombe. Ex-Bandundu. Ex-Bandundu in Congo. Fils de Charles Mokembo. He is the son of Charles Lessie Mokembo. Et Thérèse Atinimi. And Thérèse Atinimi. Le révérend Charles Lessie était troisième d'une grande famille. He was the third of a big family. De 11 enfants. Of 11 children. Dont 4 garçons et 7 filles. Were four men and 7 women. Et des garçons, il était l'aîné. And he was the first man. Ses frères sont l'évangéliste Roger Lessie. His brothers are evangelist Roger Lessie. Le prophète Denis Lessie. The prophet Dennis Lessie. Et le pasteur Jean-Marie Lessie. And Pastor Jean-Marie Lessie. Et ses 7 sœurs, parmi lesquelles. And the 7 sisters among those. Nous avons l'apôtre. We have the apostle. Maman Rose Lessie Mukwabili. Maman Rose Lessie Mukwabili. Qui est donc le leader. Who is the leader. Des églises La Manne Cachée à travers le monde. Of hidden manne churches across the world. Toujours parlant du révérend Charles Lessie. Speaking of the Reverend Charles Lessie. Nous voulons toucher à sa scolarité maintenant. We want to touch his scolarity. Lorsqu'un enfant naît, when a child is born, après un certain âge, after a certain age, on l'envoie à l'école. They send him to school. Et le révérend Lessie and the reverend n'a pas échappé à cela.
did not skip that. Alors il a fait sa scolarité primaire, so he studied his primary school, toujours en bien, in bien Kasai, puis les humanités, and his secondary school, au petit séminaire de Bokoro. In a place in Bokoro. Alors il faut noter que le séminaire de Bokoro est distant de Kinshasa de 1867 points. So it's a little bit far from Kinshasa, more than 1,000 kilometers. Yeah, well done. Donc c'est un petit séminaire. Yes. Et de ce petit séminaire, il a progressé pour and être diplômé d'État en 1972. Il est licencié he's graduated en sciences politiques et administratives political science and administrative à l'université de Lubumbashi, in the University of Lubumbashi dans la promotion 1977. In the promotion of 1970. 77. Qu'il vous soit rappelé he has to remind you que lorsqu'il est né, that when he was born, cette université n'existait pas. Yet that university didn't exist. Et cette université de Lubumbashi avait été créée, and fondée, the university of, Lubumbashi was founded, lorsque le révérend Lessie n'avait que 2 ans. When the Reverend Lessie was only 2 years old. Amen. Amen. Dieu avait préparé cette institution éducative pour le préparer. That God prepared that educational institution just for to prepare him. Donc de la vie du révérend, on apprend déjà qu'il y a des choses que Dieu prépare pour vous sans même que vous ne le sachiez. So from the life of Reverend, we understand that there's things that God prepares for us without us knowing. Parlons de sa carrière professionnelle. Speaking of his professional career, le révérend Lessie a débuté sa carrière professionnelle au ministère de l'Agriculture. He began his professional career in the Ministry of Agriculture. Et en 1984, après une formation en Israël, il intègre les services de la présidence de la République de l'ex-Zaïre. Lorsque le révérend Lessie a travaillé dans le ministère de l'Agriculture en 1984, c'était donc dans le gouvernement de M. Kengo Wadondo, qui lui était Premier ministre de 82 à 86. Parlons de son mariage. Speaking of his marriage, le révérend Lessie était marié à Mme Chantal Ikwamo, he was married to Madame Chantal Ikwamo depuis 37 ans. For 37 years. Ils se sont mariés le 8 décembre 1984 à Kinshasa. They were born on the 8th of December 1984 in Kinshasa. Et les deux ont eu 10 enfants. And both of them had 10 children. Je crois, 10 enfants. Yes, 10 children. Amen. Amen. 4 garçons et 6 filles. 4 men and 6 women. Ils savaient jouer le match. You know. Alléluia. The game. Comme quoi les pasteurs ne blaguent pas. Yes. Alléluia. Alors le pasteur s'est converti en 1978. So he converted in 78. Ça fait 43 ans déjà. It's been 43 years already. Alors étant un jeune converti, as a young converted, l'homme de Dieu a suivi les enseignements auprès du frère Odon. He followed the teaching from Brother Odon, qui était le berger du groupe de prière, who was a shepherd of a group, a prayer group, qui se réunissait à Gombe à Kinshasa. That was stated in Gombe Kinshasa. Alors en 1984 encore, so again, lorsqu'il est rentré d'Israël, when he came back from Israel, le révérend Charles Lessie, Reverend Charles Lessie, avec sa fiancée d'alors, with his fiancée at the time, qui plus tard allait devenir sa femme, who later became his wife, ainsi que quelques frères et ses cousins, along with a few brothers and cousins, ont fondé donc le ministère sur le pas de Jésus-Christ que nous connaissons aujourd'hui. The ministry sur le pas de Jésus-Christ, or on the footstep of Jesus Christ. Amen. Amen. Et c'est au sein de ce ministère qu'il a été connu à travers le monde comme le grand homme de Dieu qui nous a laissé. Comme vous voyez vous-même, il nous a laissé, mais il nous laisse quand même un moyen de comprendre que chaque personne a une histoire avec Dieu et avec l'humanité. Voilà pourquoi nous sommes ici. C'est son impact. Il n'est pas décédé à Liverpool. He didn't die in Liverpool. Mais il a impacté Liverpool. Oh, he's impacted Liverpool. Amen. Amen. Est-ce que lorsque nous allons partir, because when we're gonna go, la biographie qu'on lira, the biography that we're gonna read, à l'audience, to the audience, aura-t-elle un impact? Will it have an impact?
où les gens vont fermer les oreilles. Et parce que nous sommes encore vivants. Nous pouvons tout changer. We can change a lot. Et les gens auront beaucoup à apprendre de nous lorsque and nous serons partis. People can learn a lot from us when we'll go. Alors pour honorer la mémoire du révérend Charles Lacy, j'aimerais que nous puissions nous lever juste pour quelques secondes. I want us to stand up just for a few seconds. Et nous allons nous mettre à battre les mains pour lui. And we're gonna clap our hands. Parce que nous savons là où il se trouve en ce moment. Comment on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut battre ses mains? Come on. On peut faire mieux. Est-ce qu'on peut battre ses mains? Comment on peut faire mieux? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu soit béni. Merci, homme de Dieu. Thank you, man of God. Tu nous as impacté. Nous te rejoindrons au ciel. We will join you in heaven. Lorsque notre tour arrivera. When our turn will come. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Let's clap our hands for the Lord. Voilà pourquoi toujours pour gagner temps à l'issue. That's why we're going to gain time. Oh, thank you. Donc tous les canards, vraiment, on a besoin de témoignages. We're going to go through testimony. Là, on te l'invite au témoigner, bah bien fait. We want to test the good work of our patriarch Charles Lacy. With the work he's done across the world, he's impacted many people. He's impacted nations. Is why we want to testify. To show that we're connected to him. That's why I sign respect. I'm going to call evangelist David Nkongolo. I just come forward. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord pour la gloire de notre Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Yes, my beloved in Christ, shalom. Que Dieu soit loué. May God be praised. Parce que la parole des yeux déclare qu'en toutes circonstances, in all circumstances, rendez gloire à Dieu. Let's give praise to God. Bien sûr que nous sommes là here, à l'occasion de cette mort qui a frappé la famille in tout the entière, of this death that hit the entire family, que ce soit la famille biologique, whether it's the biological family, ainsi que la famille chrétienne. Or the Christian family. Mais qu'à cela ne tienne, but that, nous voulons rendre gloire à notre Dieu au travers les œuvres qu'il a accomplies à travers son serviteur. Aujourd'hui, le patriarche a été enterré, mais derrière lui, il a laissé beaucoup de témoignages. Et c'est pourquoi je voulais aussi témoigner. To testify. Ce que Dieu a fait what God has done dans la vie de ce grand homme in de the Dieu. Life of this great man of God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, yes, my beloved in Christ, mon témoignage sera en deux volets. My testimony is going to start. Alléluia. Amen. D'abord, je voudrais témoigner Dieu. First of all, I want to testify God. À travers le patriarche Charles Lacy qui nous a quittés. Through the patriarch Charles Lacy who's left us. Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. God has done great things in his life. Et là, je voudrais dire que c'est vraiment un homme de Dieu. And there, I just want to say that he's truly a man of God. Amen. Amen. La première fois que j'ai rencontré cet homme de Dieu, the first day that I met this man of God, c'était à Kinshasa. It was in Kinshasa. Et c'était dans une réception, and it was in a reception là où on était parti where we went, dans la famille de notre maman Clarisse, to the family of our mother Clarisse. Parce que moi je n'étais pas encore dans la famille en fait. Because I wasn't in the family yet. Mais ces jours-là j'ai été invité pour but aller. That day, I was invited to c'était go. Les jours là où la famille s'est rentrée dans la famille de maman Clarisse. It was that day that Mama Clarisse was entering pour aller the donner family, la dot du mariage. Where we were going to give the bride.
On était encore fiancés avec Mama Mylène. I was engaged to Mama Mylène at the time. Et ces jours-là, lorsqu'on m'a invité, and that day when they invited me, le pasteur Charles était aussi arrivé à cette réception. Pastor Charles also came at this reception. Et bien-aimé dans le Seigneur, on était dans la réception. My beloved in the Lord, we were in the reception. Avant qu'il sorte, il est venu sur la table là où j'étais assis. Before he went out, he came to the table where I sat. Il vient, il me dit, Papa Alain, and bonjour. He said to me, Papa Alain, bonjour. Et j'étais fort étonné, bien-aimé dans le Seigneur. And I was really surprised, my beloved. Parce qu'à cette époque-là, je m'étais tout simplement introduit parce que j'ai été invité. Because at the time, I introduced myself only because I was invited. Et lui, de loin là où il était en train de m'observer. Where he was observing me. Et en sortant, il est venu nous saluer. Et j'étais là, il m'a salué. As he was heading out, he came to greet me. J'étais fort étonné parce que j'ai vu l'humilité qui était en cette personne. I was surprised because I seen this humbleness that was in him. Après, je me demandais, je me disais, pourquoi est-ce qu'il est, il est venu nous saluer? Parce que normalement, ça allait être moi qui allais se tenir debout pour aller lui dire bonjour. Because normally it's up to me to go to him to say hello. Mais lui, quand même, il a fait ce signe-là d'humilité. He showed that sign of humility. Et il est venu me saluer. And he came to greet me. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voulais dire ceci. To not take many time, too much time, I want to say. Je reconnais dans cette personne-là. I realized in that person. L'humilité, un homme humble. He's a humble man. Un homme humble, bien-aimé dans le he's Seigneur. He's a humble man, my beloved in Christ. Effacé dans la public, mais très constant et très très agissant. Who's very constant. Alléluia. Amen. Lorsque on l'appelle patriarche, when we call him patriarch, parce qu'au travers de lui, il y a beaucoup de gens qui sont sortis par les canaux de cet homme-là. Through him, there's many people who came out and serving the Lord. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs, grands hommes de Dieu and dans la famille. We've seen a lot of great men of God in aujourd'hui, the nous voyons au travers de lui, il y a beaucoup de serviteurs dans le monde. Through him, we've seen there's a lot of servants in il the world. Il a servi Dieu. He's served his God. Un homme de foi. A man of faith. Un homme humble. A humble man, un homme vraiment intègre. An intriguing man. Et quand j'avais de petites complications, bien-aimés, avant que je puisse me présenter dans la famille de Mama Mylène, before presenting myself in Mama Mylène, lui, en tant que serviteur de Dieu, il m'avait vu dans une autre manière. He seen me in another way. Et il était convaincu. And he was convinced. Il a dit que j'ai cherché Dieu et Dieu m'a convaincu. He said that I seek God and God convinced. Laissons notre enfant se marier à cet homme. Let's leave our child get married. Ça, c'est la première des choses. That was the first thing. Et quelques années plus tard, j'étais en France. And a few years later, I was in France. Il y avait des choses, bien aimées qui étaient compliquées sur tout ce que j'étais en train de faire. And in all that I was doing, there were things that were complicated. Et lorsqu'il est venu nous rejoindre à Paris, and when he came to join us in Paris, j'étais avec les pasteur Jean-Marie Lessie-Cephas. Pastor Jean-Marie Lessie-Cephas. Et les jours-là, lorsqu'il est arrivé, il est venu à Paris pour prêcher. And that day when he came to Paris to preach, il m'a vu encore. He said to me, il me dit, he said, serviteur, tu as beaucoup essayé. Servant, you've tried a lot. On m'a parlé que tu as beaucoup essayé, and ça ne marchait pas. You've tried a lot and nothing's gone forward. Il me dit, il faisait ceci. He was doing il bougeait this. Comme ça. He was moving like this. Il dit, maintenant là, je suis sur la terre de Paris. He said, I'm in this land of Paris. Et tout ce que tu vas faire maintenant, everything you will do now, ça va réussir. You will succeed. J'ai dit, ah, tonton, I said, oh, uncle, j'ai beaucoup essayé. I've tried too much. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, je ne sais pas comment est-ce que ça peut arriver. I don't know how it's gonna happen, but je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire. I don't know how it's gonna happen. Mais en tant qu'homme de Dieu, but as a man of God, je dis que cette fois-ci, I said that this time, ça va réussir. It will succeed. Essaye. Tried. Et tu verras la main de Dieu. And you will see the hand of God. J'avais essayé. I tried. Et j'avais expérimenté la main puissante de Dieu. And I experimented the powerful hand of au travers God de cet homme. Through this man. Quelques années encore plus tard, lorsqu'il est venu ici, la dernière fois qu'il était venu ici, a couple years after when he came, c'était dans une convention. He was in a convention.
attention. Et il était logé chez nous à la maison. And he was in my house. Bien aimé, pendant qu'il était chez nous dans la maison, while he was in my house, il s'est comporté en vrai homme de Dieu. He was behaving as a true man of God. Quelqu'un qui dort dans la maison. Somebody who sleeps in the house. Mais si je peux compter le nombre des fois que je l'ai rencontré dans la maison. But if I can ask and count the amount of time. Peut-être deux fois seulement. Maybe only two times. Pourquoi je dis cela? Why am I saying this? Parce qu'il s'est respecté. Because he was respecting. Restait toujours dans la chambre. He was always in. Et lorsqu'il sort encore, il me dit. When he comes out, he says. Il était en train de sourire un peu. He was smiling a little bit. Alléluia. Il me dit, papa, là, je suis dans ta maison. He said, papa, là, I'm in your house. Dieu m'a montré beaucoup de choses. God has shown me a lot of things. Ne t'inquiète pas. Do not worry. Alléluia. Amen. Il me dit que je vous vois très loin. He said, I'm seeing you going far. Et Dieu va faire des choses. God will do things. Il va accomplir. He will accomplish. Faut pas même vous en soucier de ceci ou de cela. Don't worry about anything. Parce que Dieu m'a dit qu'il est avec because vous. Because God has told me he's with you. Alléluia. Amen. Et quelques années plus tard, bien-aimé, and a couple of years after, j'ai vu tout ce qu'il avait prophétisé. I seen everything that he prophesied upon me. Alléluia. Amen. C'est un patriarche, mais un grand prophète de Dieu. He's a patriarch, but a great prophet of God. Et je me rappelle les jours où il était dans cette église. And I remember the day that he was in this church. Ces jours-là, il avait fait un grand travail. He did great work. Il a prophétisé pour de milliers de gens qui étaient ici. A lot of people that were here. Alléluia. Amen. Et les gens ne cessent pas d'appeler parce que au travers de tout le message qu'il avait donné. And people did not cease to call before because through all the messages. Toutes les personnes qui avaient reçu ce message ont vu la gloire de Dieu. All the people who received the message seen. Ils ont vu l'accomplissement au travers de paroles que cet homme avait prophétisé. The accomplishments of the words that this man prophesied. Bref, bien-aimé dans le Seigneur. Briefly, je voudrais rendre gloire à Dieu de nous avoir donné cet homme. Cet homme qui est passé par notre chemin et il a laissé des empreintes. And he's left prints. Il est parti aujourd'hui, he's gone today, mais il est mort physiquement. He's dead physically. Alléluia. Amen. Mais je sais que son esprit est entre les mains de Dieu. Well, I know that his spirit is in parce qu'il a fait un bon travail. Because he has done a good job. Pendant qu'il était en France, bien-aimé dans le while Seigneur, he was in France, my beloved in the Lord. Alléluia. Je le vis en train de prêcher. I seen him preach. Alléluia, avant sa mort. Before his death. Dans les moments favorables. In the proper moment. Alléluia. Amen. Il était en train de prêcher he la was parole de preaching Dieu. The word of God. Alléluia. Amen. Même dans les moments les plus défavorisés, bien-aimés dans even le Seigneur, in the most disfavorable il était en train moment, de prêcher la parole de Dieu. He was preaching the word of God. Alléluia. Amen. Et pour terminer, je voulais dire ceci. And to finish, I want to say this. Dieu s'est révélé en cet homme. God revealed himself Dieu to s'est manifesté dans cet he homme. Showed himself through this man. Il avait quitté Kinshasa, il était malade. He left Kinshasa, he was sick. Mais Dieu s'est manifesté. Il disait que Dieu va agir. He was saying that God will do. Et pendant les moments même où on croyait peut-être que c'est fini pour les patriarches, even in moments where we thought that it's finished, mais Dieu avait montré sa puissance dans cet homme. His power in his il s'était rétabli and he et il a repris bien-aimé, il a repris l'œuvre de Dieu. And he regained the work of God. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu en s'étenant debout. He began to preach again. Il était devenu normal, bien-aimé, he became normal, en bonne santé. Good. Alléluia. Amen. Et par après, Dieu a décidé autrement and after, de le prendre de son serviteur. Alléluia. Amen. Mon témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, my beloved, c'était cela, ce que je veux dire, what I just said, que c'était vraiment un homme de Dieu, that he was a man of un homme de bien. Man, un homme humble, a humble man, un homme de grand cœur, un homme qui a servi son Dieu. Personnellement, je n'ai vu aucune chose que je pouvais faire, même un petit remarque à cet homme. Alléluia. Amen. Il était effacé, mais c'était un grand homme. He was a great man. Aujourd'hui, partout dans le monde, on today, est en train de le plaire. Et les gens témoignent que vraiment, Dieu a repris vraiment
un homme de bien. And we testify that God has took. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Honor and glory go to our. Celui qui nous a donné et celui qui a repris son serviteur. Que la gloire revienne à ce grand Dieu parce que c'est un Dieu fidèle. Because he's a faithful. On peut pleurer aujourd'hui. We can pray today. C'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie dans la vie de cet homme. It is the will of God that was accomplished. Que la gloire revienne à notre Dieu. May glory be given to. Merci beaucoup. Thank you very much. Et je voulais vous remercier pour and terminer de votre présence. For your presence. Que Dieu vous bénisse beaucoup. May God bless you. C'est vrai que nous sommes tous touchés. It's true that we're all touched, mais on l'a déjà enterré. But he's already buried. Réjouissons-nous dans le Seigneur. And let's celebrate. Dieu est avec nous. God is with us. Et il va nous bénir. And he will bless us. Que Dieu soit loué. May God be praised. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Patriarch Charles Lessie. Là, dans un témoignage, vous avez un bon souvenir. Vous avez un bon souvenir. Et vous allez pas mourir ma casse. Amen. Le point gagné dans la bisso. Gamon, on va couper ça. Témoignage. I'm going to give his testimony. Personnellement, en tout cas, n'ayez pas qui vous donne ma lame. I knew him well. Azaki, grand frère Moko. Azaki na humilité ma casse. He was a very humble big brother. Na eba qu'est-ce que l'église est là qui? I knew where the church was. Si le pas de Jésus. Footstep of Christ. Eba serait moko et pensa qui impacte ma casse. And at a certain time there was such an impact. Na domaine il y a enseignement. In na domaine il y a musique. In musical. Na eba qui c'est le pas Azaki vraiment orchestre moko qui impacte ma casse. And we know that the music choir was strong. Ba 25 ans passé. And I remember 25 years ago, we were with the man of God in Luanda. And he advised me upon the ministry. He gave me a lot of advice. He always had consideration. If he's giving you an advice, you'll feel compassion. You'll feel that he's wanting to come down to your level. To make you understand the mission that God is putting in us. And in that time in Luanda, a conference international na kati ya mboka Angola. He did an international conference in Angola. Na hotel esika zalaki. And I was preaching where he was. Tokende ki ko rende visit. We went to pay him visit. He made us understand all the way in the foreign land. It doesn't mean that we should leave the work of God. And those times are a difficult moment because people knew how it was, but this man of God, he brought one plus in our ministry and in our lives. And in the footsteps of Christ, we've came from the church Maranatha. I had a friend that was a big pastor. I'm sure Pastor Christian knows him as well. Pastor de Gaulle. And they were like my intimate friends in the ministry. And today I'm speaking. He got married to one of the children of our patriarch. And he entered into the ministry. And he entered into the Lessie family. He was a friend of mine. And the ministry for him. It was a blessing for the generation of Israel. For our generation. Donc, et l'on ne retenait pas notre ensemble. So what I gained from the côté conseil, from advice, c'est fantastique. It was fantastic. Donc, soit plus conseil. If it's giving you advices, so you keep this other suspect. If you don't listen, you'll be a mistake. Amen. Amen. Donc, that's why I'm crying a lot when I'm parce saying that the gone. Congo. Because I said that it's time for go to Kinshasa. Even in Paris, wherever I see him, I need to honor him. La paix, c'est trophée. And to give him a trophy. Excellence pour la moussa of excellence for his work. Malgré projet langa. Although I made a plan, but today he has left us. But I give God thanks because he's gone to the glory of God and he deserves it. The work that he's done in the world, it's speaking for Amen. Itself. Amen. We give him God praise for his work.
Pasteur Nabiso Christian. We're going to call our Reverend Pastor Christian. Dans Zoya, while he's coming forward, to give us testimony concerning our Reverend Pastor Christian. For the Lord. Alléluia. Que Dieu soit loué. May God be praised. C'est vrai, c'est dur, mais on rend toujours grâce à l'Éternel. It's true, it's difficult, but we give grace to the Lord. Amen. Amen. C'est vrai, mon témoignage a des aspects. There's two aspects to my testimonies. L'aspect familial. There's family aspect. Et l'aspect de l'œuvre de Dieu. And also spiritual, or also the work of God. C'est vrai, je suis son neveu. It's true, I'm his nephew. Si je pars par rapport à l'aspect familial. If I'm speaking on the family aspect. Alléluia. Amen. Et je suis né, je peux dire, un des jours après la mort de son père. Ça veut dire Kokonabiso. So I was born a couple of days, 3 days after the death of our grandfather or his dad. Amen. Amen. Yangwana, parfois maman langai, anyo sotango akanisa kayango. That's why sometimes when my mother thinks of it, et pesari pekole la mingi. It makes her cry. Alléluia. C'est pour cela na full name na na ba pesana pe kombo ya koko biso donc. Nazamo kwabili, mais nazapi lesi. That's why my full name gave me the name of Kwabili, but also Lesi. Parce que dans ce botama, donc, dans l'ombre, jour ou jour, des jours après, l'Iwaya Kokonabiso, Charles Lessimokébé, donc Kokoya Patriarche, Papa ya Patriarche. I was born a couple of days after the death of the patriarch's father, my grandfather. Alléluia. Amen. Quand on grandissait, j'avais toujours l'habitude, et c'était ce qu'on avait toujours l'habitude de dire en famille. Tonton Mertens. And when we were growing up in the family, we would call him Uncle Mertens. Tonton Mertens. Uncle Mertens. Bien-aimé, il nous a aimés. He loved us so much. Et je savais que pendant les vacances, on était toujours là-bas. And I knew that during the holidays, we were always there. Et j'ai beaucoup de bons souvenirs. And I have got a lot of good memories. Alléluia. Tonton Mertens Azaya qui carapoïde. Uncle Mertens was generous. Kosunga, donc il était très gentil. He was really kind. Et à cette époque-là, comme time, il travaillait à la présidence, because he was working in the presidency. Je me souviens un jour, on était en vacances chez lui. I remember there's a day where we was on holiday in his house. Il avait dit à toute la famille, tout le monde qui était là. He said to everybody that was there. Moi et les autres oncles, dans toute la famille là-bas. Me and the other uncles, the entire family. Il a dit, ça sera une surprise. He said it's going to be a surprise. Alléluia. Amen. Pour là la chambre beaucoup à cher intercontinental. You will sleep in very expensive room in intercontinental. Ils nous offrent bien au déjeuner. And they'll offer you breakfast. Mutoyo ayebi Kinshasa bien. A person who knows Kinshasa well. Pe mutoyo ayebi tanga Mobutu. And a person who knows the time of Mobutu. Ba offrir yo nuit na intercontinental. If they offer you a night in Intercontinental Hotel et déjeuner and breakfast. Alléluia. Et c'est comme vous avez réservé dans mon tenue en santé. It was something which wasn't reserved to anybody. Mais tonton Mertens l'a fait. But Uncle Mertens did it for us. Pour moi, j'ai beaucoup de souvenirs. I have a lot of memories. Et perdre un homme comme tonton Mertens, and losing a man like Uncle Mertens, ça fait mal au cœur. It hurts. Alléluia. Amen. Ça fait réellement mal au cœur. It hurts. Mais que le nom de l'Éternel soit béni. But let the name of the Lord be praised. Il était toujours là pour conseiller. He was always there to give advice. Il était là toujours pour aider. He was always there to help. Very generous. Alléluia. Et ça ne m'arrête. Mais il n'est plus de ce monde. But he's not in this world no more.
Il nous a précédé à la gloire. He's gone to glory. Du point de vue œuvre de Dieu, on the point of view of the work of God, il y a beaucoup de choses à dire. There's a lot of things to say. Spirituellement, spiritually, c'est mon père spirituel. Is my spiritual father. Parce que l'église La Manne Cachée a commencé en 1994. Because La Manne Cachée began in 1994. Ou bien 94, comme les Français ont l'habitude de dire. Amen. Amen. Mais avant que l'église La Manne Cachée existe, but before the existence of La Manne Cachée or Eden Manor, j'étais déjà évangéliste dans l'église sur les pas de Jésus. I was an evangelist in the footsteps of Christ. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai grandi spirituellement. It's there that I grew spiritually. C'est vraiment mon père. He's my father. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il m'a donné beaucoup d'opportunités dans l'œuvre de Dieu. My beloved has given me a lot of opportunities in the work of God. Et je me souviens quand j'étais avec mes amis. And I remember when I was with my friends. On avait toujours l'habitude d'œuvrer ensemble. We had the habit of working together. Il nous a donné même des opportunités tellement que nous étions des petits. Because we were young, he gave us opportunities. À faire même des croisades évangélisation. To do crusades. Alléluia. On a accepté un lien sur le bonhomme la première rue. In a certain sector in Kinshasa called the bonhomme. À prêcher. Preacher. Et à diriger. And directing as well. Il m'a vraiment formé. He trained me. Et je suis de son école. And I am from his school. Le patriarche. The patriarch. Est parmi. Is amongst. Parmi les pionniers du réveil en RDC. In the DRC. L'apôtre Loli le sait très bien. Apostle Loli knows it well. Il est parmi les pionniers du réveil en RDC. Mais il y avait une chose en lui. But there's something in him. Il était un homme très humble. He was a really humble man. Alléluia. Amen. Il n'avait pas ce que les gens disent le maturé. He didn't have that thing that people say. Et il disait toujours. He was always saying. À tous les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. To all men of God and servants of God. À ce moment-là, quand il travaillait à la présidence. At that time when he was working in the presidency. Vous avez une voix qui va parler pour vous à la présidence. He always said that you have a voice that would speak for you in the presidency. Il a facilité l'avenir de beaucoup d'hommes de Dieu à Kinshasa. He made the future of a lot of men of God in Kinshasa easy. Et ces hommes de Dieu ont rencontré même Mobutu à l'époque grâce à son soutien. And this man of God met Mobutu at the time thanks to his support. Des gens comme des Jean-Louis Jaé. People like Jean-Louis Jaé. Des gens comme de Tele Osborne. Tele Osborne. Des gens comme Talingano. People like Talingano. J'en passe, ils sont nombreux. There's a lot of them. Un homme humble. A humble man. Très humble. Really humble. Et un homme qui avait l'amour. And a man who had love. Qui avait l'humilité. Who had humility. Nous sommes tous sortis de cette école. We've all came out from this school. Que ce soit l'évangéliste Roger Lessie. Whether it's the evangelist Roger Lessie. Le prophète Denis Lessie. Prophet Denis Lessie. Le pasteur Jean-Marie Lessie. Pasteur Jean-Marie Lessie. L'apôtre Mama Rose Lessie. Apostle Mama Rose Lessie. Alléluia. Amen. C'est l'école du patriarche. It is the school of the patriarch. Alors, le patriarche a formé beaucoup d'enfants. He's trained a lot of children. Et ce sont des grands hommes de Dieu partout dans le monde. And they're great men of God across the world. Comme la Bible dit toujours. Like the Bible says always. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Believe in the Lord Jesus and you'll be saved, you and your family. Il a commencé cela dans sa propre famille. He began that in his own family. Alléluia. Amen. L'un de mes oncles. One of my uncles. Qui est cousin au patriarche. Who's a cousin to the patriarch. A essayé de compter les nombres de ministres. Là, on parle de ministres, pas les enfants de Dieu, mais des ministres qui se trouvent seulement dans ces clans. J'ai dit ces clans, dans ces clans de Lessie. The number of ministers that is found among the clans of Lessie. Alléluia. I'm not talking about children of God, but ministers. Alléluia.
Donc, dans ces clans Kaka, so in that group, that alors clan, il a dit 46 ministres. There's 46 ministers. Alléluia. Amen. Can you imagine les voisins? Voilà, il y a une grande famille. That's just in the great family. There's 46 ministers. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ezala Bandekonaï, Ezala Bakousin, Ezala Bissobana. Whether it's all the children. Alléluia. Amen. Can you imagine? Est-ce qu'on peut imaginer? Alléluia. Amen. L'œuvre que les patriarches ont. The work that the patriarch has done. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a jugé bon. But God has judged well. Les patriarches est en train de nous quitter. The patriarch has left us. Il était venu ici à Liverpool. He came here in Liverpool. Trois fois. Three times. Dans trois différentes conventions. In three different conventions. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous. A lot among us qui ont vu la main de Dieu. Who seen the hand of God. Chez les patriarches. From patriarch. Quand il dit une chose sur ta vie. When he prophesies upon somebody's life. Tu dois espérer voir le miracle. You need to hope to see the miracle. Je me souviens quand il était venu. When he came. Pour la deuxième fois ici à Liverpool. For the second time here in Liverpool. Il a vu ma femme. He seen my wife. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, on avait des enfants. We only had two children. Il avait dit publiquement ici, he à l'église. Said publicly here in the church. Beaucoup le savent. A lot know about it. Il a dit, Mama Clarisse, Mama Clarisse, je t'appelle Mama Mapasa. I'm calling you a mother of twins. Le Seigneur me montre, the Lord is showing me, que dans ton ventre, that in your womb, il y a des nations, there's two nations, qui vont venir directement. Alléluia. Amen. Ah, il est déjà un patriarche. Ah, he was just like, ah, patriarch. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé and dans la vie de Mama Clarisse. That is what happened in the life of Mama Clarisse. Amen. Amen. Et ce qui était arrivé dans la that's vie de Mama Clarisse. In the life of Mama Clarisse. Il était un homme de bien. He was a good man. Un homme très humble. A really humble man. Je dis très humble. I'm saying truly humble. Qui ne se vantait pas. Who went arrogant and found himself. Qui ne se vantait pas. Mais qui faisait des grandes choses. But he was doing great things. Alléluia. Amen. Perdre cet homme. Losing this man. Je vous dis franchement, ce n'est pas facile. Telling you that it is not easy. Je dis franchement, ce n'est pas facile. I'm telling you that it is not easy. Mais que la volonté de Dieu soit faite. But let the will of God be done. Mais ce que nous avons. But what we know. Il vit toujours. We know that he lives. À partir de l'œuvre qu'il a faite. From the work he has done. Il a fait un grand travail à travers le monde. Great work across the world. Un grand travail à travers le monde. Great work across the world. Et si je commence à tout dire, and if I begin to say all, on n'aura pas le temps. We won't have enough time. Alléluia. Amen. Et le ministère sur les pas de Jésus and the ministry est aussi partout dans le monde. Is everywhere in the world as well. Et son dernier message, and his last message qu'il a prêché à Paris, that he preached in Paris, tu sens ça c'est une prophétie de l'Éternel. You feel that it's a prophecy from the Lord. Il parlait de la bénédiction du Père. He was talking about the blessing of the Father. J'ai suivi ce message sur Facebook. I followed that message on Facebook. Alléluia. Amen. Tu entends, tu vois, c'est comme Isaac qui part, mais qui veut bénir son fils Jacob. It was like Isaac was speaking, wanted to bless his son Jacob. Oui, nous avons perdu. Yes, we've lost. Un élément dans le corps du Christ. An element in the body of Christ. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour la vie du patriarche Charles Lessie. Thank you very much for the life of the patriarch Charles Lessie. Il sera toujours gravé dans mon cœur. He will always be engraved in my heart. Pour toujours. Forever. Pour toujours. Forever. Compte tenu de mon âge. My age. Il me sera très difficile de tout relater les grandes œuvres, les choses que le patriarche a fait. It will be difficult to tell you all the work that. Parce que je n'étais que petit au moment où tout a commencé. Because I was young in the moment where everything began. Mais il a fait beaucoup. But he's done a lot. Il a fait beaucoup. He's done a lot. Que le nom, l'honneur soit rendu à Dieu. May honor be given to God. Il nous a précédés à la gloire. Yes, he's gone to glory.
Et ensemble, and together, nous pouvons applaudir encore très fort we can clap again pour la vie for the life du patriarche Charles. Charles Lesson. Merci beaucoup. And may God be praised. Et dans l'écriture de la louange, avant tout, on a quitté la prédication de la mission. I want us to go through praise before we enter into the preaching. Il y a aussi qu'on a lité les mains, les seigneurs, les mains. La seigneur, la seigneur, respecter les mains. Nous avons été parce qu'on a la soupe à la mission. À l'ingénieur, ce qu'on a lité les mains, tout comme ça, Nzambé. Au bidin, Nzambé. On peut s'en dire merci pour la moto, pour les mains, autour de la mission. Azalaki, papa, Azalaki. Patrèche Nabisso, Azalaki, formateur, dans le titre est béni, on a oublié de célébrer, aucun des peuples, on s'en a dans la nation. Patrèche Nabisso, c'est le salaire béni, on doit reconnaître en haut, on doit être singomingi, pour la formation, pour l'église, pour la bassine, on doit aller à l'engue, à contribuer, mais on a quatre corps de Christ. Voilà pourquoi on est toujours pour célébrer. Aucun des naïfs, la chimie, la compréhension, toujours cinq avant de voir nous faire des louanges, que nous sommes ensemble, pour la couleur que nous sommes, après ça qui peut agir, la compréhension. Il est Dieu, il est Dieu, tout pépit pour la louange. Thank you.
de la parole chaque jour dans nos vies. So we need the word of God every day of our life. Voilà pourquoi, bien aimé. That's why, my beloved. Nous voulons appeler notre l'homme de Dieu que nous aimons beaucoup. That's why we want to call the man of God that we love so much. Quand la Zouya tombe, il coule comme ça. When it's cast forward, cast in a sin of respect. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que nous sommes au day. We know that selon le monde. We're mourning according to the world. Mais pour les enfants de Dieu, but for the children, nous sommes dans la joie. We're happy. Parce que si vous voyez la circonstance, because if you see the circumstance, à laquelle que l'homme de Dieu, which man of God, que Dieu l'a récupéré, that God, the way that God said, donne toujours gloire à Dieu, it's giving glory to God. Raison à laquelle, bien aimé, that's the reason why. Il faut que nous soyons dans la joie. We need to be happy. Vous savez, quand une personne meurt dans le Seigneur, when a person dies in the Lord, c'est quelque chose de bien. It's something good. Nous voulons prier. We want to pray. Seigneur, nous te bénissons. Lord, we bless you. Sois Dieu au milieu de nous. Be God in our midst. Nous voulons être exhortés par ta parole. We want to be exhorted by your word. Nous voulons que tu sois notre Dieu. We want you to be our God. Dis-nous, Seigneur. Speak to us, our Lord. De ce que nous ne comprenons pas. The things that we don't understand. Sur les mystères de la mort. Of the mysteries of death. Seigneur, nous voulons comprendre cela. Lord, we want to understand it. Aide-nous à ce moment. Help us in this moment. Nous savons que la famille est un peu déchirée. We know that the family is blessed. Par la tristesse. For sadness. Parce qu'on a perdu une chair. Un être important. Because we lost someone that was very important. Mais nous savons que chez toi, but we know that in you, c'est un sujet de la gloire de Dieu. Is something of glory, God. Mais donne-nous ta lumière. But help, give us your light. Et bénis tout le monde qui est ici. And bless everyone that is here. De comprendre ta volonté. To understand your will. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous disons merci, Seigneur. We say thank you, Lord. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Can we all sit down? Et nous voulons parler quelque chose. Et c'est très important. We want to speak about something that is very important. Vous savez que l'homme que nous essayons un peu de dire qu'il est mort. Do you know the man that we saying that is dead? Moi, je le connais. I knew him. Je connais son slogan. I knew his slogan. Vous savez, je me rappelle l'autre fois quand nous sommes invités, c'était dans l'année 92. I remember when we were invited, it was in 92. Par le pasteur Mwanza. From Pastor Mwanza. Au stade Kamanyola. On the stadium Kamanyola. Dont j'étais aussi parmi les prédicateurs. Where I was in the midst of preachers. Il avait dit quelque chose. He said something. Il avait dit, je serai heureux. He said, I will be rich. Content. Happy. Si les Jérusalem. If Jerusalem. Est converti. Is saved. Alléluia. Amen. Si les Jérusalem est converti. Only if Jerusalem is. Vous savez ce qu'il disait? Do you know what he said? C'est-à-dire, il ne pouvait pas être à l'aise. Meaning that he couldn't be peaceful. Voir d'autres personnes. Seeing other people. Dans des autres familles. In other families. Dans des autres nations. Other nations. Connaître Dieu. Knowing God. Sans sa famille. Without his family. Raison laquelle vous allez remarquer, the reason why you're going to notice, il fit celui qui avait amené toute sa famille dans le Seigneur. He's one of those that brought all of his families in God. Et il est le patriarche. And he was a patriarch. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons parler. Now we're going to speak de quelque chose. Of something. Ça doit être important à chacun de nous. It's going to be very important to each one of us. Lui, il avait tracé sa lignée. He made his pathway. Il avait marqué son histoire. He marked his story. Maintenant, c'est nous. Now it's us. Je vais parler sur les dispensateurs prêtés. I'm going to speak about the borrowed dispenser or the borrowed provider. Yeah. Provider.
Ça, c'est une personne. Provided it's a person. Mais parler ça de quelque chose qu'on peut utiliser. But we're gonna dispenser. Dispenser. So we're going to okay. Something that can be utilized. Ça, c'est bien. That's parce good. Que quand on parle de provider en anglais, donc c'est une personne. Because when we're speaking about a provider in English, it's a person. Moi, je vais parler. But me, I'm going to speak. Que nous sommes des instruments de Dieu. That we're instruments of God. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'instrument, when we're speaking about an instrument, on parle de vase qu'on peut utiliser. We were speaking about a vessel that we can utilize. Vase, c'était pas énorme. A vase vessel is not a man. C'est un instrument. C'est it's un an instrument. It's an object. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris mon thème? Are you understanding my title? Je parle de dispensateur prêté. I'm talking about a borrowed dispenser. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre. And you're going to understand. Et quand nous faisons allusion à cette phrase, and when we read these words, nous allons comprendre qu'il y a une relation triangulaire. You're going to understand there's a relation, a triangle relation. Écoutez. Listen. C'est-à-dire? Meaning? Il y a les dispensateurs. There's a dispenser. Il y a les prêteurs. Le prêteur, celui qui a prêté. There's those that borrow. Et il y a aussi les bénéficiaires. And those the beneficiaries. Amen. 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 Vous ne m'avez pas encore saisi. You did understand. Mais vous allez me saisir. But you're gonna understand. Lisons la parole de Dieu. We're gonna read the word of God. Prenons 1 Pierre 1. First Peter 1. 1 Pierre 1. First Peter 1. Nous prenons chapitre 1. We're gonna get the chapter 1. Le verset 12. Verse 12. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Listen to what the word of God is telling us. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Listen now. Je veux que vous compreniez que ici que vous êtes. I want you to understand that here where you are. Vous êtes les dispensateurs. You are the dispenser. Cet homme. This man. Était le dispensateur pour sa famille et pour la nation. He was the dispenser from his family and his nation. Tout celui qui était dans le croisement de cet homme. Everything that was in his pathway. Avait bénéficié quelque chose de Dieu. He took profit of something. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce qu'il fut le dispensateur. Because he was a dispenser. Mais un dispensateur prêté. But a borrowed dispenser. So he borrowed him from us. Raison laquelle, si vous écoutez, and the reason why if you listen, qu'est-ce qu'on dit? What did they say? Dieu a donné, God gave, et Dieu a repris, and God takes. C'est-à-dire, quand Zambé wana apesa qui dit ça, so that's the same God that gave it to us. Pour une utilisation. For as a limitation of time. Limité. For a limitation of period, for periods. Even himself he gave. Je vais vous expliquer. I'm gonna explain to you cette relation. This relation. Et nous allons comprendre. And we're gonna understand que chacun de nous that each one of us peut faire mieux. Can do better. Là où tu es, where you are, tu peux faire mieux. You can do better. Là où tu résides, where you live, tu peux faire mieux. You can do better. Dans ton mariage, in your marriage, tu peux faire mieux. You can do better. Dans ta relation, in your relationship, tu peux faire mieux. You can do better. À l'église, the church, tu peux faire mieux. You can do better. Tu ne sais pas. You don't know. Même dans ton commerce, even in your business, tu peux faire mieux. You can do better. Parce qu'au moment où on cherche les mollo, toi tu as les mollo. Because where we ask, look for fish, you have fish. Parce que tu es le dispensateur. Because you are the dispenser. C'est celui qui est là pour être utilisé. Someone that is there to be utilized. Si nous voulons avoir quelque chose, you want to see something? C'est là que nous pouvons aller. It's there that we can go. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Are you understanding? Quand on parle de dispensateur, when we're speaking about dispensers, c'est ceux qui distribuent. Is someone who distributes. Ou ceux qui donnent la possibilité pour être utilisé.
utilisé. Or someone that gives a disponibility to be utilized. Afin de donner les résultats souhaités. So he can give a result. C'est-à-dire la chose qu'on peut utiliser. Meaning something that we can use. Est disponible. That is available. L'homme était disponible. A man, he was able. Disponible à la famille. Available for his family. Disponible à la nation. Available for his nation. Es-tu disponible? Are you available? Pour être utilisé. To be utilized, to be used. Les dispensateurs. The dispenser. Si on veut atteindre un résultat. If you want to accomplish a result. Si on souhaite quelque chose. If we desire something. Le dispensateur est disposé. The dispenser is there willing. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui. But today. Vous avez vos dons. You have your. Vous avez la grâce de Dieu. You have the grace of God. Vous pouvez faire le mieux. You can do better. Mais vous ne le faites pas. But you don't do it. Vous devenez des égoïstes. You are just. Vous ne voulez pas aider. You don't want to help. Vous ne voulez pas travailler. You don't want to work. Vous devenez des égoïstes. You just don't. Mais je vais vous rappeler maintenant. But I'm going to remind you que vous êtes les dispensateurs. You are the dispenser. Vous pouvez être utilisé. You can be used. L'homme. A man. A été utilisé. He was used. Utilisé par Dieu. Used by God. Amen. Amen. Quand nous parlons de prêteur. When we speaking about borrowing. Le prêteur c'est celui qui donne. Borrowing is someone that gives. A borrower. Celui qui met à la disposition du bénéficiaire. Celui qui met à la disposition someone du bénéficiaire. That puts at the disponibility of the beneficiary. Les moyens. The methods. Les moyens. The methods. Les moyens temporaires. The temporary methods. D'utilisation. Of use. Quand vous allez à la banque. When you go to the bank. Vous allez demander. You're gonna ask. Demander le crédit. Go ask for credit. La banque vous dispose l'argent. The bank makes it available for you. Cet argent. That money. Vous allez rembourser. You're gonna give it back. C'est-à-dire la banque. Meaning that the bank. Vous donne. Gives you. Le dispensateur. The dispenser. La banque c'est le prêteur. So the bank is the that gives it. The borrower. Vous êtes le bénéficiaire. You're the beneficiary. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? And you understand? Est-ce que vous pouvez acclamer pour Dieu? Can you clap for the glory of God? Alléluia. Amen. Le bénéficiaire. The beneficiary. Est celui qui se sert temporairement. Is someone that benefits temporarily. Du dispensateur. Of the dispenser. Écoutez. Oh, listen. Quand vous êtes bénéficiaire. When you are benefiting for something. Du dispensateur. From the dispenser. Il y a des attitudes. There's attitudes. Or to have. Parce que le dispensateur n'est pas éternel. Because the dispenser is not forever. Alléluia. Amen. C'est temporaire. It's temporary. Il n'est pas éternel. It's not eternal. Celui qui est éternel. Who is eternal? C'est Dieu. It's God. Alors vous les bénéficiaires. So you the beneficiary. Il faut profiter. You have to take. Du moment où le dispensateur est là. Of the moment that the dispenser is there. Il faut utiliser le dispensateur. You have to utilize it. You have to use it. De votre profit. For your profit. Il faut profiter. You have to profit. Le dispensateur. Of the dispenser. Créer des provisions. Creating provision. En fait, quand le dispensateur ira. So when the dispenser is no longer there. Oh, quand le dispensateur va aller. When the dispenser goes. Vous restez avec quelque chose. You stay with something. Qui vous donnera la possibilité. I'm gonna give you the possibility. De survivre. To survive. Est-ce que vous comprenez? Non, je pense que vous ne me comprenez pas. I don't think you understand what I'm saying. Non, vous ne me comprenez pas. You don't understand. Alléluia. Amen. Vous ne me comprenez pas. You don't understand. Alors, j'ai dit qu'il y a une relation triangulaire. I said there was a triangle relationship. Cet homme. Between them. This man. Dieu l'a prêté à la famille Lys. God borrowed him to the family Lys. Il est le dispensateur de cette famille et de la nation. He was a dispenser of this family and the nation. Parce qu'il ne fait pas tout simplement de sa famille. Because he didn't belong just to his family. Nous avons bénéficié de ses services. We all benefited from this service. Donc il fut le dispensateur. So he was a dispenser. Nous l'avons utilisé. You used him. Il nous a servi. He served us. Quand on avait besoin de quelque chose. When we needed something. Il y
Il était là. He was there. Disposé. Able. À fournir. To give. À nous aider. To help. À atteindre l'objectif. So we can achieve. Les résultats souhaités. Amen. Maintenant Dieu a dit. But now God is saying. Remets-moi les dispensateurs. Now give me back what I owe, what I borrowed. Je veux mon dispensateur. I want my dispenser back. Maintenant le dispensateur est allé. Now the dispenser is gone. Nous. Us. Qu'est-ce que nous avons maintenant? What do we now have? Qu'est-ce que nous avons retenu? What do we receive? What do we have? Hallelujah. Amen. Est-ce que vous comprenez? Are you understanding, beloved? Alors c'est ça. It's this. Mais il y a des attitudes. But there's attitudes. Il y a des attitudes. There's attitudes. J'ai dit que à ce moment ici. I said that in this moment. Normalement, nous les chrétiens. Normally, us Christians. Vous pouvez glorifier Dieu. We can glorify God. Vous pouvez rendre gloire à Dieu. To give thanks to God. Mais charnellement. But you know, human body. Charnellement. But you know, human ça body. Ça nous donne de la peine. It just it's sadness. Mais vous savez pourquoi? Do you know why? Il y a des volets. Il y a deux volets. Si je veux voir ça bien. If I can see it properly. L'autre volet. There's two robbers. Il y a des gens qui ont compris en retard. There's people that understood late. Que le dispensateur était là. The dispenser that the dispenser je was there. Je veux profiter des dispensateurs. So I can profit from the dispenser. Maintenant il est parti. But now he's gone. Lui qui était à ma disposition. Him that was in my availability. Chaque fois, he would give me all the time. Il est parti. But now he's gone. Je ne suis pas préparé. I wasn't ready. De vivre sans les dispensateurs. To live without the dispenser. Raison laquelle vous voyez que les gens pleurent. The reason why you see people are crying. Parce qu'ils savent. Because they know. Ils n'auront encore rien. That they won't have anything. Mais celui qui s'est préparé. But those that prepared themselves. Celui qui a retenu quelque chose. Those that stayed with something. Celui qui a bénéficié de quelque those chose. That benefited from something. Oui, charnellement. Yes. Without human body. Ils sont la paix. They are sad. Mais il est resté avec quelque chose. But they stayed with something. Vous avez compris ce que le pasteur Christian avait dit? Do you understand what Pastor Christian said? Il avait dit, il est mort, mais il n'est pas mort. He said he's dead, but he's not dead. Parce qu'il a semé. Because he cultivated. Il a investi. He invested. Il a laissé. He left. Il est mort, mais il n'est pas mort. He's dead, but he's not dead. Ce qu'il a fait. What he's done. Reste. Stayed. Alléluia. Amen. Mais il reste où? But stayed where? À ceux qui ont compris. On those that understood. Sa présence. His presence. Et sa mission. And his mission. Les dispensateurs. The dispenser. Doit comprendre sa mission. Needs to understand his mission. S'il comprend sa mission. If he understands his mission. Il fera les choses dans l'excellence. He's going to do things with excellency. Vous savez pourquoi nous échouons? Do you know why we have Vous savez pourquoi nous échouons? Do you know why we have failures? Parce que nous ne comprenons pas. Because we don't understand notre mission. Our mission. Tu veux faire la mission de l'autre. You want to do the mission of somebody else. Tu veux faire des choses adaptées à ce que des autres, d'autres personnes font. You want to adapt to what other someone else is doing. Tu veux copier des choses. You want to copy things. Non, tu es no. Extraordinaire. You are extraordinary. Tu es toi. You have the right. Il faut que tu fasses des choses. Do you do things? Selon ta mission. According to your mission. Amen. Est-ce que vous comprenez? Are you understanding? Amen. On ne fait pas bien les choses. We don't do the things well. Parce que nous copions. Because we just copy. Il y a trop de photocopies. There's a lot of photocopies. Dans tout ce que nous faisons. Everything that non, we do. Ne copiez pas. Non. Ne copiez pas. Don't copy. Ne copiez pas. Don't copy. Tu es excellent. You are excellent. Tu es extraordinaire. You are extraordinary. Là où tu es. Where you are. Tu peux faire mieux. You can do better. Tu peux faire mieux. You can do better. Alléluia. Amen. Faut comprendre ta vision. You have to understand your vision. Pourquoi tu es dans les mariages? Why do you are married? Faut le savoir pourquoi. You have to know why. Pourquoi tu es ici? Why you are faut le savoir. You have to know why. Pourquoi Dieu t'a amené à Liverpool why ou en Europe? Talking il faut le savoir. Or Europe. You have to know. Alléluia. Amen. Si vous comprenez cela, if you understand that, vous allez bien jouer la carte. You're going to play well your cards. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Are you understanding what I'm saying? Vous comprenez cela? You really understand it? Ne copiez pas des autres. Don't copy others. Parce que celui-là a ça, moi aussi, je veux faire ça. Because I'm, the other don't need to, I'm going to do it. No. Nous jouons dans la complémentarité. We play within complementarity.
ministry. Ce que moi je peux faire. What I can do. Toi tu ne le sauras pas. Maybe you can't do it. Mais tu as quelque chose de spécial. But you have something special. Et quand on le mettons ensemble. And when we put it together. Il y a la réussite. There's success. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec les deux versets. I'm going to finish with two verses. Je pense que vous avez compris. I hope you understood. I'm sure you. Je vais lire maintenant 1 Corinthiens 4 pour vous donner les attitudes. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Les versets 1 à 2. Verse 1 to 2. La Bible nous dit ceci. The Bible is telling us. Des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Amen. Ce qu'on demande à nous, les dispensateurs. What are they asking from us, us the dispensers? Je veux que quand nous allons sortir ici, I want us when we leave this place, nous changeons notre pensée, notre manière. Change our thoughts, our ways. Parce que tu as quelque chose à donner. Because you have something to give. Dans la société, in your society, tu es utile. You are utilized. You can change. Tu es utile, bien-aimé. Yes. Mais faut comprendre But cela. You need to understand that. Joue dans la fidélité. Play with your loyalty. Dans ta mission. And your mission. Et tu dis ta mission. And you say to your mission. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? And you understand what I'm saying? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'aime que les gens. I like people chaud. To be a bit heated, bit. Le foie you know, est parti. Hein? It's not cold anymore. Hallelujah. Amen. Maintenant c'est chaud. Now it's hot. Ok, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Faut que vous soyez fidèles. You have to be loyal. Et soyez comme un bon dispensateur des dons de Dieu. And be like a good dispenser for the project of God. 1 Pierre 4 et 10. 1 Peter 4, 10. Mets à la disposition des autres. Put to the disponibility of others. Les dons que vous avez. The gift that you have. Cet homme l'a fait. That man has done it. Alléluia. Amen. Cet homme l'a fait. This man, he has done it. Merci l'homme de Dieu. Thank you, man of God. Oh, c'est déjà beaucoup. Hein? Moi, je croyais 2 minutes, mais on m'a donné encore 10 minutes. Merci que Dieu vous bénisse. Thank you. Alléluia. Amen. Donc, vous savez bien aimé, vous pouvez faire le mieux. You know, beloved, you can do better. Mais mets cela à disposition des autres. Put that at disponibility of others. Le patriarche. The patriarch. Charles Lacy. Charles Lacy. Il fut un homme à respecter. He was a man to be respected. Il était fidèle. He was loyal. Je vous dis. I will tell you. Depuis que je le connais. Since I knew him. Vous savez que les blagues là qu'on fait avec des pasteurs et do you know those jokes that we do? Je n'ai jamais écouté ça. I've never heard nothing from the patriarch. Nothing from non. The patriarch. Never. Celui qui peut me prouver me le prouve. Who can, non. Who can tell me otherwise? Tell depuis me otherwise. Que je le connais. Il était fidèle, he was loyal, simple, simple, humble, humble. Donc c'est une personne quand vous parlez avec lui, he was someone when you speak, vous sentez que c'est Dieu qui parle. You can feel that it's God speaking. Il y a une autre partie que vous n'avez pas compris. There's another bit that you did not understand. Vous savez, il fut aussi un chanteur. He was also a singer. Compositeur aussi. A composer. Hallelujah. Amen. Et il a commencé à distribuer ses dons. He started distributing his talents. Son fils David Lacy aussi. His son David Lacy sing. Il y a des Josué, il y a des Josué, des Milène, il y a Milène. Vous voyez? Do you see? Il fit les dispensateurs. He was the dispenser. Dans la famille. In his family. Est-ce que vous comprenez cela? Are you understanding this? Et toi? And you? Qui es-tu? Who are you? Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Qu'est-ce que tu dois laisser? What are you going to leave? Comme le prophète Samuel Moussousou avait dit. Like a prophet Samuel said. Dans son témoignage. In his testimony. Quand il parlait avec lui. When he used to speak to him. Il sentait qu'il se rebaisse. Il doit se rebaisser même dans ton niveau. He felt like he really went down to your level. Pour te faire comprendre. To make you
disciples. Jesus said to his disciples, je veux vous considérer comme des amis. I'm going to consider you as my friend. Pour comprendre ce que moi je fais. And you can understand what I am doing. C'est ce que cet homme faisait. This is what this man did. Le pasteur Herman avait dit. The pastor Herman said. Que quand tu mourras. That when you die, when you die. Quel est le témoignage qu'on va donner de toi? What's the testimony that the people are going to give about you? Hallelujah. Amen. Ça c'est très bien. That's very good. Si nous pouvons prier. If we can pray. Il y aura Dieu a mis dans mon cœur. God put in my heart. Si le pasteur doit me permettre. If pastor is going to allow me. Dieu m'a montré que vous voyez le feu que Dieu avait allumé au patriarche. You know the fire that God put in patriarch. Ce feu ne peut pas s'éteindre. That fire cannot go down. Il faut que ça continue. That fire needs to continue. Parce qu'il fut le représentant. Because he made them as representatives. Vous savez quand le représentant de la famille. Do you know when the representative of the family fait de bonnes choses? Do something good. Il y aura les résultats ou les bénéfices qui doivent succéder à sa lignée. There's the benefits and results that is gonna continue. Et s'il fait de mauvaises choses. And if he does something bad. Il y aura aussi la succession de la malédiction. Also going to be the continuation of par les représentants. Created by the patriarche. But the patriarch. Fit un représentant. He was a representative. Qui avait créé. That has done. De bonnes choses. Were good things. Et ceci a essayé d'allumer le feu. And that relighted the fire. Raison laquelle nous voulons aussi prier pour la famille. The reason why we're going to pray for the family. You are the dispenser. Tu dois communiquer la vie. You're going to transmit something. Et ta famille sera sauvée. Your family is going to be saved. À cause de toi. Because of you. Le monde. The world. Sera sauvé. Is going to be saved. À cause de toi. Because of you. Je veux que ce feu. I want that fire. Que soit communiqué. To be transmitted. Afin que tu comprennes que le Dieu existe. May you understand that God exists. Et le feu de Dieu. And that the fire of God. Sera en vous. Ça c'est le premier volet. This is the first. Et après nous aurons le deuxième volet. And then after we're gonna have pour la famille Messie. That is for the family list. Je veux que nous prions. I want us to pray. Ferme tes yeux. Close your eyes. Élève tes mains. Lift your hands. Que Seigneur fasse quelque chose dans ta God vie. God do something in your life. Seigneur. Lord. Vous avez utilisé ton serviteur. You utilize your servant. Patriarche Charles Lys. Patriarche Charles. Il avait fait un travail dans sa famille. He's done his work in his family. Il avait bouleversé les choses. Change stuff. La mission du diable avait échoué the dans sa famille. Satan was stopped. Et aussi dans la nation. In his family and in nous his avons nation. Senti ta présence. We felt your presence. Dans sa vie. In his life. Nous avons senti we felt l'esprit de communication. The spirit of communication. Nous avons senti we felt la transmission the de la puissance. Of the power. Nous avons senti we have felt des prophéties qui viennent de toi. That came from nous avons senti l'onction. The unction. À ce moment, Dieu, this moment, God, j'invoque toi, Dieu, le Dieu de Charles Lys, the Lord of Charles Lys, le Dieu de la famille.
Lord of the Dieu de l'Alliance, the Lord of the Covenant, ce que vous avez fait, what you have nous voulons que ceci, la salle qui est ici, toute personne qui est ici, qu'il change l'histoire de sa famille, qu'il change l'histoire de sa vie, qu'il change l'histoire de sa nation. Seigneur, aide ton peuple. Seigneur, Lord, nous t'invoquons à ce moment. Que ton esprit entre. Que ton esprit bouleverse. Que ton esprit change l'histoire. Seigneur, fais cela. Recevez l'esprit de Dieu maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Le Dieu de Charles Lessie. Opère à ce moment ici. Operate in this moment. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Vous recevez l'esprit de Dieu. Receive the Spirit of God. Vous recevez la grâce de Dieu. Receive the grace. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. 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 Nous voulons prier pour la famille. We're going to pray for the family. La famille Lessie, nous voulons prier. We're going to pray. Si vous pouvez venir devant. If we can come forward, the whole family, please. Ceux qui se trouvent à Kinshasa ou ailleurs sont représentés. Those that are in Kinshasa. Venez la famille, venez les cocos, vous tous, venez maintenant, toute la famille, venez. All of you. Parce que vous avez une responsabilité. Because you have a responsibility. Si vous regardez ce que les patriarches avaient fait, if you have seen what the patriarch has done, vous allez comprendre directement. You have got to understand. Il vous a laissé une mission. That he's left you a mission. Vous êtes dans les devoirs. You have a work to do. Et continuer. L'œuvre qu'il a commencé. The work that he's commenced. Le fait. The fire. Le fait. The fire. Ne doit pas s'éteindre dans cette famille. Not stop in this même family. Pas dans cette lignée. Even on this generation. La descendance. The generation of this fera la même chose. Is going to do the same thing. Raison laquelle nous voulons. The reason why we want. Que l'alliance que Dieu avait nouée avec Charles Lessie. That the covenant that God has done with Charles Lessie. Que cette alliance continue. May that covenant continue. Les hommes de Dieu, vous allez m'aider. Je m'excuse, nous venons. Nous pouvons encercler cette famille. Do a circle around them. Que l'esprit de la désolation. May the spirit soit banni dans cette famille. May be cast in this family. L'esprit contraire à la volonté de Dieu. Spirit contrary of the soit annulé. May be annulated. Toute parole. All the words. Lancé contre cette famille. Cast against this family. Soit annulé au nom de Jésus. I want the man of God. Pray. Pray for me. Je vais donner le micro au I'm going to give the mic to Pastor Alex. Si vous pouvez élever la voix. If you can elevate your voice, ça sera une bonne chose. It's going to be a good thing. Rendez-nous, te disons merci. Hallelujah. Que tu nous donnes de nous approcher au devant de toi. Oh, yes. Nous te recommandons cette famille, Seigneur. Amen. Notre prière est que tu leur sois favorable. Que tu fasses de cette famille une famille de serviteurs et de servants. Amen. Que ta lumière les éclaire, Seigneur éternel. Yes. Qu'ils marchent sur les pas de l'excellence. Amen. Les pas de l'élévation. Yes. Les pas de la grandeur. Yes. Les pas de la gloire. Afin, éternel, que le témoignage que nous avons entendu aujourd'hui puisse demeurer encore dans la famille. Et que tout soit pour la seule gloire de ton nom. Qu'il soit soutenu par toi, gardé et protégé par toi, Seigneur. Et que ta lumière continue, Seigneur éternel, à les éclairer. Et que le feu que tu as allumé depuis les temps anciens continue, Seigneur éternel, à brûler dans cette famille. Pour la gloire de ton nom. Afin d'anéantir encore toutes les manœuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. 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 Amen.
Vous avez une grande responsabilité. You have a big responsibility. Votre manière de marcher. The way that you walk. Faut que vous soyez fidèle. You have to be loyal. Fidèle à Dieu. Loyal to God. Vous savez que l'homme de Dieu, you know that the man of God, le patriarche Charles Lacy, the patriarch Charles Lacy, avait fait son travail. He's done his work. Il a donné son fruit. He gave his il n'a pas fruit. Déçu. He did good. Vous aussi. You also. Faire la même chose. You're going to do the same thing. Éduquez vos enfants dans le Seigneur. How will your children? Faut les dire. Regarde. Listen. Dans notre famille. In our family. Moi, je dis à mes enfants. You have to tell them. Look, I tell my children. Les filles. My chez nous. And quand here, vous allez au mariage, when you go to your c'est marriage, pour c'est bon. It's for good. Il n'y a pas de divorce. There's no divorce. Et tu ne seras pas la première à divorcer and dans votre not famille. Be the first to divorce. Parce qu'on ne connaît pas de divorce. In our family, we don't et know le premier homme qu'on a, and the first man that we c'est l'homme de votre vie. Is the man of your life. Alors il faut bien voir les choses. Avant de s'engager. Alors faut dire à vos enfants de ne pas briser ces liens. Il faut leur dire nous avons une responsabilité. Aujourd'hui, nous faisons hommage à cet homme. À this man. Donc il faut que ce soit aussi votre tour. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Nous acclamons plus fort pour la gloire de Dieu. Nous avons voulu être toujours avec toi. We always want to be with you. Dans tous les moments. In all the moments. Pour nous, c'est aussi un sujet de la gloire. For us, it's also a situation of glory. Avoir ce témoignage au milieu de nous. Seeing this testimony in our midst. Nous sommes dit. We said. Il faut que nous soyons ensemble avec le pasteur Christian. We also need to be together with Pastor Christian. Il est homme. He's a man. Et aussi Dieu. And also God. Mais la Bible nous dit. But the Bible is telling us. Nous sommes des dieux. We are gods. Nous ne pouvons pas mourir comme des humains. And we can't die like humans. Alléluia. Amen. Mais nous voyons aussi la partie humaine. But we also have our human bits. Nous disons nous sommes ensemble. We said that we are together. Ayez du courage. And be courageous. Ça c'est votre responsabilité. This is your responsibility now. Nous sommes ensemble. We are together. On doit s'appuyer dans la prière. We're gonna all be together in prayer. Et nous avons décidé. And we decided. D'être toujours à votre côté. To be always beside you. Vous accompagner. To go along with you. Jusqu'à ce que. Until the moment. Vous allez vous sentir à l'aise. Where you're gonna be peacefully. L'équipe de pasteurs de Liverpool. The team of pastors in Liverpool. A voulu aller un peu plus loin, mais ce n'est pas ça qui compte. Did a bit further, but that's not what counts. Mais un petit geste. But just a symbol. Pour te dire. To tell you. Spirituellement, nous sommes avec toi. We are with you. Et aussi socialement, nous and pouvons socially, être avec toi. We all are also are with you. Nous avons préparé un petit enveloppe. We prepared a small envelope. Pour le pasteur. From us pastors que to Dieu you. Bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Service. Thank you for the service. Merci pour la service. Beloved, we want to pass it to a service that is very important. We want to go to help. Beloved, your help is going to also help. That's why we want to pass it to offer it. What you have in your heart, in your good heart, that you have, the compassion that you have. That's why where you are, prepare something that you can see that you can support this family. Because in moments like this, there's the departure, there's the last things to do. That's why we want to do. We want to do our best for supporting myself and you for this family. For this family. Voilà pourquoi tu as la vie. So we can get like
basket, if you have your envelope, bring your envelope, so we can pass in a moment of offering. Ça coupe beaucoup de choses. Merci à tout le monde. Thank you to merci pour vos contributions. Thank you for your contributions. Bah, enveloppe la mine aux prouvemings. Your envelopes as well. Means merci pour la peine la mine. Thank you for your calls. Merci vraiment pour soutenir l'émission. Thank you for supporting us. C'est vraiment un grand patriarche. It's through the buried the patriarch today. Et aussi ça à mon and we finish him in this moment. There's some little things that's there. We will eat and drink a little bit. And then we will part. May God bless all the singers and musicians. Be blessed. Amen. Sois béni à voir protocole, comme on a dit sur que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais clôturer. Je remets la parole au pasteur Samuel Soussou. Et après l'avoir clôturé, nous allons manger quelque chose. Merci. Merci beaucoup, Ndama Pambolabino, surtout. Parce que la journée minée, n'est-ce que besoin, Ndama Pambolabino, à Pambolabé, pour lui, Bafali, ou Babile, Ndama Pambolabino, pour l'attendre, pour l'arrêt qui vise à moi. You all follow me here. Ndama Pambolabino, c'est sur vous, un plus. May God add one plus. Je suis comme une soukala biso. Voilà pourquoi, n'est-ce que, il faut ta famille, va préparer quelque chose pour la biso. Déjà le reception. Pour la précéder. Donc, bien sûr. Je suis la poste à Dame Soussou, pour partager, pour que Understanding the mission that the Lord has given. So when you mission, if you know your mission, it will be a blessing for your life and for the return of Christ. But one thing to outline is we have two things. The first is that you can come anytime. Okay. And you go. Deuxième chose, the second thing is that the Christ is the coming of Christ. Donc, as we are waiting for the world, Jesus can come down. Be ready. And you'll be a blessing. So if Jesus is strong, be strong. Love God. Love the Lord. That's the best thing. Amen. Amen. Give God praise. For the time we spend. That's why you're going to stand up where you are. Toto Kabona. Tell me something. Thank you.
Jesus. Donc c'est la pasteur de Jean-Claude d'ailleurs pour monde là pour clôturer cérémonie la mission et l'élo d'accord pour la Yesu. Alléluia, thank you Jesus.